Il y a la matière, la non-matière. La matière et la non-matière, c'est-à-dire si vous situez votre non-matière devant vous, vous appartient à vous individuellement. C'est ce qui s'appelle, ce qui est exprimé ici comme étant le C, C apostrophe EST. Le C n'a jamais été quelque chose de collectif. Le C, le véritable C, le collectif a été une interprétation. Le véritable C, c'est. Vous avez le corps, ce que vous avez en vous. Je vais parler de moi. Il n'y a plus rien. Donc, mon impression grâce à la non-matière de ma réalité, de mon C, correspond à mon intérieur. C'est comme si j'imprimais, c'est pas les bons termes, mais il n'y en a pas. Et ça revenait à moi. C'est-à-dire qu'il y a fusion totale. Il y a fusion totale pour chaque être de cette planète, quel que soit son niveau. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. On n'est pas dans des bulles de réalité individuelle, c'est pas ça. C'est inexprimable ce que je ressens. Mais ce n'est que moi. Ce n'est que toi, ce n'est que toi, ce n'est que toi, ce n'est que toi. Je ne me confonds pas dans toi, dans toi, dans toi, dans toi, dans toi. Non. Ce n'est que moi. Moi, sans penser. Quand je suis sans penser, je peux exprimer que le sourire. Sans penser, je n'ai pas de création. Tout en sachant que cet état, on va dire état, parce que je ne trouve pas un autre mot, s'imprime dans ma réalité. Car j'ai un corps et donc je vis. Je vis. Donc, il me faut une réalité. Mais que j'accepte non stable. Mais ça, c'est autre chose. Donc, là. Donc, tout autour, on va reprendre cette image, puisque on voit le corps. Donc, je reprends cette image. Je vais dire, ça sourit aussi, même si c'est de la non-matière, même s'il n'y a pas une bouche, ça sourit aussi. C'est pareil. C'est ce que j'avais appelé, par un terme très poétique, rien ne peut m'emmerder. Oui, ami de la poésie, bonjour. Donc, voilà, c'est ça. C'est juste ça. Il n'y a pas de volonté de contrôle de l'autre, pas de pouvoir. Car il n'y a pas de désir de ma part, de volonté, que moi, dans ma globalité,
qui est ressenti, totalement uni, qui ne peut jamais être désuni, mais c'est ressenti. Je n'ai pas de volonté de m'expanser. On ne s'expanse jamais, c'est un désir. Quelquefois pour le mal, quelquefois pour le bien. Mais c'est un désir qui ne se produit jamais. Ça devient une croyance, donc on va créer une réalité pour cela. Mais cela est du pouvoir. Mais en réalité, ça ne se fait pas. On est toujours, nous, individuellement, dans notre globalité de matière et non-matière, unis. Et, au fur et à mesure, on ressent, au cours de l'évolution, que l'extérieur ne peut pas nous toucher. L'extérieur ne peut nous toucher que si on va le chercher. Si on rentre dans une réalité en allant le chercher, si on s'interroge sur, si on a des croyances, si on va le chercher. Et on va broder là-dessus, ce qui va nous faire rentrer dans une réalité où l'on va penser que soit on a du pouvoir, soit c'est l'autre qui a du pouvoir. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, pas cool ou amour, hein, c'est pareil. Cette individualité que beaucoup refusent car ils veulent s'occuper des autres sans comprendre que c'est du pouvoir ou alors vous rentrez dans des réalités. Alors que cette individualité c'est elle qui amène des transcendances. Des transcendances de, non pas de vous, quand vous avez ressenti votre connexion, parce qu'il n'y a plus de transcendance à y avoir, ce sont, on va dire, des transcendances environnantes. Des choses dont vous pouvez prendre connaissance. Car vous, ces choses, vous n'allez pas vouloir les transcender, mais vous, vous allez vouloir rester. C'est même pas vouloir rester, c'est... Vous ne pouvez pas être ailleurs qu'avec votre sourire. Je reprends, rien ne peut vous emmerder. Donc, vous allez transcender ce qui pourrait... dire s'approcher de vous, arriver par là par rapport à vous. Ce n'est pas ah oui, mais alors si je me rapproche d'elle, elle va transcender mes trucs. Ah non, 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 ah non, absolument pas. Je n'ai pas de pouvoir. C'est simplement, vous ne pouvez pas me casser les pieds. Ce n'est pas pareil. Vous ou une chose qui peut se passer sur cette terre. Et ça, c'est pour chaque individu la même chose. À partir du moment où vous ne partez pas, vous allez chercher ce qu'a l'autre, récupérer. À partir du moment où vous paf, partez.
et votre sans-pensée ne vous empêche pas de vivre au milieu d'autres personnes. Vous ne voulez pas changer les autres personnes. Vous acceptez leur création individuelle, dont ils n'ont pas conscience et qui pensent qu'ils vont diffuser. Et j'ai assez parlé.